Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. La seule émission là où on se regarde, on te dit ce qui se passe, si ça te plaît pas, mais c'est Fafa, dites-moi c'est comme ça, ça peut pas changer. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore comme pour habitude. Merci à tous ceux qui partagent l'émission sur la plateforme depuis Facebook. Alors aujourd'hui nous sommes dans une très belle émission, Fafa. Je suis encore avec ma collègue, ma binôme de tous les temps, celle-là même la charmante et la célébrissime Chola. Chola. Yeah. Chola. Yes. Chola. Chola, tu t'es plaint du collier de Didi B? Non. Pantou le gâté. Oh, oui, Pantou le gâté. Mais tu as un collier aussi. Ah, bah oui. Donc, pour Pantou, c'était un grelot. Ah, c'est un grelot. Ce qu'on porte au caniche. Ah, donc tu dis quoi? De toute façon, il allait se coucher sur le roi Douzou. Là. C'est le rôle de caniche. Pantou même, on l'attend dans son. On l'attend pour faire Fafa spécial, okay. Pantou le gâté. J'espère que tu suis l'émission. On t'attend. Voilà, reviens donc. Ça. D'accord, ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, dames et messieurs, nous allons recevoir aujourd'hui un artiste pétri de talent. C'est quelqu'un qui, à l'orée du mouvement Coupé Décalé dans les années 2002, il officiait comme DJ dans les cabines, dirons, du côté d'Abidjan Sud. C'était eux qui étaient le maître du game, c'est-à-dire les platines, c'était les patrons. En plus de surcroît, quand ils imposent ta musique, mais t'es imposé. Et dans cet élan-là, ils ont décidé de sortir musicalement. Ils étaient un groupe de jeunes, mais très talentueux. Et ils avaient envie de gagner. Ils avaient envie de transpercer le milieu du showbiz. Et de par là, ils ont sorti des titres. Mais des titres à succès qui sont devenus des chansons intemporelles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on met ces titres-là, tout le monde se ressent dedans, tout le monde se réjouit. Parce que ce fut un temps donné de nos vies. Et ça donne des pensées et ça fait ressasser des bons souvenirs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est parmi nous. Moi, je l'appelle le Django du Coupé Décalé. L'élégant, le célébrissime. Je dirai son nom tout à l'heure, mais la chanson va dire son nom. Comment il s'appelle? DJ Bonanno. Dames et messieurs, nous recevons ici DJ Bonanno. Waouh, mais attention là. DJ Bonanno. Vraiment. Django. Ce nom-là. Je dis, non, les gens ont trémoussé cette chanson-là. Est-ce que c'est Ison? Il continue. Je te dis. Parce que je suis allé dans un coin la dernière fois, quand okay. Le DJ a balancé les sons coupés, décalés, puis il a sorti ce son-là. Mm. Mais moi-même, je me suis levé, tu sais. Les stars. Mais ça me rappelle la belle époque du coupé décalé. Ouais, la rue Princesse, c'était pas la rue Princesse. On l'a vécu en plus. C'est aujourd'hui, on a donné nos vies au Seigneur, parce que le Shétan ne fait plus partie de nos vies. Simon, on se connaît. Attends, normal. On se connaît. On se connaît. On a joué l'auto élu. On se connaît. Bien, en groupe mélodie. Voilà. Alors, DJ Bonanno. Merci à tout le monde. Merci à Défalé. Merci à. À Chola. Oui. Vraiment belle présentation. Très belle présentation alléchante de Monsieur Défalé. Franchement, moi-même, j'ai ressenti le truc. J'ai dit, merci. Ça, c'est avec beaucoup d'honneur. Ça m'a fait plaisir. Ouais, franchement. Mais nous aussi, c'est tout un honneur, un plaisir de te recevoir. Parce que tu es un jeune frère que je connais depuis le début du Coupé Décalé. Tu es toujours resté le même. Et c'est ce que j'apprécie, j'admire en toi et tout. Alors, les nouvelles. Bon, voilà nous. C'est vrai. Hein? Bon, on ne comprend pas. On ne te voit plus. Moi, on ne sait pas. Mais il va nous dire où il est. On dit tantôt, tu es en bingué. On dit non, il est tard. Voilà nous. Oui. Mais tu es où même? Je suis là, comme tout le monde. Ah, mais... là où? Mais je suis là. À Abidjan, en Europe ou... Bon, je suis plus en Europe qu'à Abidjan. Voilà. Je suis plus en Europe qu'à Abidjan, mais d'accord. Je suis très souvent à Abidjan. Pour la preuve, on est actuellement, je suis là. Ok. Ouais. Et tu es là pour combien de temps? Bon, là, je suis là, on va dire jusqu'à peut-être... mais même si je pars pas pour longtemps. Hein. D'accord. Même si je vais, je ne pars pas pour longtemps parce que je suis un événement là, qui est en train de goupiller et tout. Bien sûr, il a son événement. Depuis des années, ça tourne. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Et donc, du coup, même si je pars, peut-être c'est pour maximum un mois, deux mois. Tu es naturalisé maintenant? Oh, ça va en tout cas.
Non, c'est pas une réponse. Non, Bounanou. Non, ici, on joue pas avec les mots. Voilà, tu es franc-combien. Tu as le Dizaya, ok. Voilà. Bon, on peut pas parler d'Enaya parce que bon, il y a longtemps que voilà. On suppose que soit tu as le Dizaya ou tu as le Bounanou. Le plus important, c'est que. Tu peux te déplacer. On peut se déplacer sans attendre. Sans contrainte. Sans attendre que quelqu'un en train de faire la sieste, il doit se réveiller d'abord pour consulter ton dossier. C'est qu'il a le Bordeaux. Tout, tout, tout. Je pense qu'il a le Bordeaux. Par la grâce de Dieu, on se déplace. Ou bien qu'on ne peut pas attendre que la go est fâchée, peut-être qu'on va signer le papou pour que on puisse lui donner. T'as vu, non. Donc, c'est tout ça, c'est fini. Ah, il est indépendant maintenant, c'est bien. Alors, mais en parlant de go, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces influenceuses qui sont en deux avions, Abidjan, Paris, Dubaï, qui se font appeler les femmes battantes? À ton avis, elles se battent avec qui? À la question est posée. Non, mais moi, franchement, il y a un côté positif aussi dans la chose que je vois. Parce qu'aujourd'hui, faire rêver, ça permet. Nous, on a fait rêver aussi. Hein, mais il y a plusieurs façons. Faire rêver, il y a plusieurs manières de faire rêver. C'est ça. D'accord. Les DJ, par exemple, vont voir un Bounano, peut-être qu'il les fait rêver. Vont vouloir devenir comme lui. Ça, c'est une manière de faire rêver. D'accord. Par contre, il y a des filles qui ont leur petit commerce qu'elles font, qu'elles voient des influenceuses dont tu parles en train de voyager, prendre 2-3 avions. Ça les amène à peut-être plus se booster dans ce qu'elles font pour pouvoir être comme celle-là aussi. Mais et si elles se bougent dans ce qu'elles font, ou bien elles laissent ça, et puis elles s'en vont chercher à faire comme elles le font, oh pourtant derrière, il y a quelque chose qui est derrière qui est lourd, qu'elles ne peuvent pas supporter. Non, mais c'est moi, on parle de ce qu'on voit. Oui. Moi, je parle de ce qu'on voit. Et on parle de ce qu'on sait aussi. Ah, mais on voit, mais on sait aussi souvent. Non, mais moi, par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que je pense des filles là, qu'on voit en ce moment, qui sont toujours en deux avions. Donc, j'estime que elles sont en deux avions parce que peut-être elles font des choses qu'elles nous présentent sur la toile qui marchent bien. Okay. Donc, c'est une manière aussi à elles mais, de... Mais Chou, attends, Bounano, de toute façon, tu défends les filles là. Moi, je ne les défends pas. Hein. Non, attends. Tu ne vois pas mon sourire. Moi, je dis par contre, tu défends les filles là. Nous, on a pris du souci que tu sortes avec une parmi elles. Moi, je ne sais pas de... Toi, dis le nom. Très connu. Bounano, tu sais, moi, on est ici là. Nous là. Nous là, hein. Tu es pressé, hein. Dans ton entourage là. Nous, on a... Où est-ce que tu dis le nom? On n'a qu'à dire. C'est pas mieux. Parce attends, que c'est Fafa. Vous c'est Fafa, hein. Regarde, vous êtes en train de... Mais je ne l'avais même pas... Il y a le gros cahier de défalé. le gros cahier de chaud là. Je sens que... Fiche-le de cahier. Tellement il est traumatisé. Voir fiche-le de cahier. Je vais me déchiqueter. On est... Non, Bounano, tu sais, nous, dans le Fafa là, on t'a dit, c'est Fafa. Oui. C'est-à-dire qu'on se regarde et puis on ne sait pas ce qu'il y a là en même temps. Mais des fois, il faut lui dire qu'on n'avait pas encore commencé. Bon, voilà, on va parler loin. Celle avec qui tu sortais là, nous, on l'a reçu sur le plateau ici. Il paraît que tu as eu des rapports et que tu sortais, que c'était ta go même, t'es écrit. Ton mouton jazz. Ton mouton jazz, DS Collection. Ah, le nom est sorti. Voilà. C'est déjà versé. C'est versé, on ne peut plus ramasser. Ça. Non, mais c'était son mousseau, tu vivais avec elle. Voilà. C'était son gigolo, elle t'entretenait. Faut dire, on n'a pas dit en même temps. Bon, déjà, pour revenir à. Entretenir, c'est trop fort. Déjà, je ne peux pas m'entretenir, c'est pas possible. Pourquoi? Elle a les moyens, non? Non, mais je pense que dans le milieu, au moins, on sait qui je suis. D'accord. Donc, je ne pense pas que DS puisse, moi, m'entretenir. Mais ça, tu sortais avec elle ou pas? Ouais, ça sortit avec elle et puis m'entretenir. C'est oui, mais bon, la première question, c'était et ta go. Et puis, je ne vivais pas avec elle. Mais c'était ta go. Tu la framponnais. Bon, voilà. J'avais mon chez moi. Elle avait son chez elle. Mais pourquoi toi tu étais chez toi, tu étais chez elle, et puis tu as laissé tes affaires là-bas et puis elle a bloqué. C'est que tu connais pas là-bas. Ça paye, elle est chocoto. Caleçon chez DS Collection, caleçon de Bounano. Non, non. On non. dit elle a bloqué. Non. Chaussures, tous tes trucs. Mais Bounano, c'est que tu avais le domicile là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, souvent on peut traverser des périodes assez sombres. On s'est dit non que. Bon, ah. Oui, on s'est dit non que bon, écoute, je vais aller me. Mais non pas ressourcer, j'ai allé un peu prendre un peu, tu vois, un peu d'accalmie dans un endroit où à la maison il y a tout le monde, il y a. Mais c'est ça se ressourcer, tu dois un peu de paix. Pas vraiment se ressourcer. Non, pas vraiment se ressourcer, genre plus l'accalmie. Plus l'accalmie. Ouais. Mais ça te dérangeait pas son style de vie d'influence où elle prend un avion, ça va dans les coins, toi tu es couché là. Mais ça, ça c'était comme les temps même. Et puis on va venir par là faire des vies avec quelqu'un. On n'a pas vécu. Donc c'était un groupe en quoi? Non, c'était quelque chose de, on va dire, peut-être maximum de une ou deux semaines. C'est pas. Aïe! Non. Aussi tôt ça a commencé, aussi tôt ça a terminé. Mais pourquoi si tôt? Non, attends. Ça ne pourrait pas marcher déjà parce que pourquoi? Ça ne peut pas marcher. Parce mais que peut-être que. Comme tu disais tout à l'heure, là, entretenir, gigolo, je ne sais pas quoi, c'est les choses qui peuvent marcher à ce genre de filles-là. Mais quand tu as une personnalité,
et que tu as ton mot à dire dans ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas te dire ça et puis tu vas accepter, ça ne peut pas marcher. Il y a un commandement derrière. Elle est autoritaire. Commandement de quoi même? Non, commandement, j'ai autorité. Non, mais on commande quelqu'un, quand on regarde, on sait qu'on peut le commander. Ouais. Mais si tu fais une chose une fois, quand on te dit ça, il ne faut plus refaire, que tu refais une deuxième fois, mais tu ne me verras plus, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est mais tout. Qui est allé vers qui? C'est toi qui l'as dragué ou celle qui est venue vers toi? Déjà, DS Collection. Moi, j'ai donné le son. Hein. Non, je connais ce truc. Hein. Non, c'est toi qui regardes bien. Non, je n'ai pas le fond. Déjà, DS Collection, je la connais depuis 2003. Belle femme d'ailleurs. D'accord. Hein. Je l'ai connue en 2003. Donc, votre DS Collection. C'est ta DS Collection. Non, c'est toi qui couchais avec pas nous. Non, elle est influenceuse aujourd'hui. Elle a plusieurs personnes qui la suivent et tout. C'est de ça que je parle. Il n'y avait pas Facebook en 2003. Oui. Pour qui est Facebook, pour qui est les réseaux sociaux, tout ça. Il faut qu'il y ait des réseaux. Ça n'existait pas. D'accord. Donc, voilà. Et à la suite de ça, on a eu à se revoir en Europe, à Bruxelles et tout et tout. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui, c'est pas moi. Je suis pas quelqu'un qui a vu une femme influenceuse en fait. qui est milliardaire, qui cherche à aller prendre un peu d'argent. Franchement, dans ça, non, pas du tout. Mais DS Collection, on le sait, hein, c'est une femme qui se gère bien. Quand je dis qu'elle se gère bien, ça veut dire qu'elle a une bonne situation financière. Elle-même, elle le dit souvent, elle n'a pas faim. Elle a ses ouais, elle gère ses mouvements, elle gère ses business. Oui. Donc ça veut dire que financièrement, va. Oui. D'accord. Quand tu la draguais, tu ne savais pas que ça allait chez elle? Ou bien elle n'avait rien en ce moment-là? Je l'ai connue en 2003. Donc elle n'avait rien? En 2003, elle n'était pas DS Collection. Non, elle n'avait peut-être pas le nom DS Collection de l'influenceuse qu'on connaît aujourd'hui. Elle était même en Europe. Déjà. Elle était où? Je l'ai connue à Abidjan ici. Mais elle vivait ici ou bien elle partait pour venir? En 2003, c'est moi qui étais Bounano. Hey. Voilà. Il est énervé maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a profité de ta notoriété. Attention. Non, c'est dangereux. À cette époque-là. C'est lui qui était Bounano. Mais donc, elle a profité de sa notoriété aussi. Mais il n'y avait même pas Internet encore. Donc, on ne pouvait même pas parler de profiter de notoriété. Mais à l'époque, on dit que tu as la go de tel. Tu prends les points. Mais c'est normal si tu viens dans le quartier d'une telle. Le quartier, elle va mousser un peu dans le quartier parce que tel ou un tel est passé la voie. Bon, qu'est-ce que tu penses des Doxy Yahoo, Emma, Carmen, toutes ces filles-là? Mais elles font rêver les jeunes filles d'aujourd'hui et d'accord. Ça, c'est bien. Qui te fait rêver dedans? Moi, me fait rêver personnellement. Qu'est-ce que tu as des questions? Mais tu as rêvé comment? Je les connais. Il y a forcément, oui, même si tu les connais, mais il y a forcément une quand tu la vois, elle se démarque du lot, tu te dis, oula, celle-là, un jour peut-être que DS Collection sera plus là et puis c'est elle qui va la remplacer. Tu peux faire abonner. Il y a ça aussi. Oh là 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 là. Mais moi, franchement, je les vois comme des. Je les vois pas. Je ne veux pas entendre pénitentiaire. Paye tes pénitentiaires sont à la maison. Elles n'ont rien à voir, les filles qu'on voit. Je les vois comme tout le monde les voit. Hein. Je les vois comme des. Est-ce que tu sais comment Défalé les voit? Mais Défalé, la preuve en est, il a dit non, qu'il les voit comme. Il m'a présenté les filles là en tant que. Comment tu vois les influenceuses aujourd'hui? Mais je les vois comme des influenceuses. Voilà. Donc, il n'y a aucune qui te fait rêver dedans. Hein. Mais même la chose là, Bonano, tu sais que parlons de. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles ne soient pas belles, bien et tout, non. Bonano, en parlant des femmes qui entretiennent les hommes, parlons peu, parlons mieux. Il y avait trop de bruit de couloir sur toi concernant ce genre de choses. Mais au fait, c'est. Ça, comment toi tu peux juger? Parce que les gens disaient beaucoup non. Mais donnez-moi le nom d'une seule personne qui avait l'argent avec qui je suis sorti. Je sais pas. Tu vous savez, quand une personne est un peu trop intéressée. Moi, on m'a traité de PD ici parce que j'ai acheté ma voiture. Ça a impressionné tout le monde quand j'ai eu ma première voiture. Et quand tout le monde a commencé à avoir des voitures, il n'y a plus d'affaires de voitures maintenant. C'est venu dans Gigolo. Dans Gigolo, ouais. Mais je sais même. Donnez-moi le nom d'une seule femme qui avait les moyens avec qui moi je sortais. On dit, tu es sorti un temps. Et puis, elle connaît DS Collection en 2003. Elle était personne. On a des noms, mais pour le respect de leur vie aujourd'hui. Donc, certaines sont mariées. On ne va pas dévoiler leur nom. On ne va pas divulguer leur nom. Mais divulguer DS parce qu'elle déjà, elle est influenceuse. Elle est déjà sous les feux de la rampe. Donc elle, il n'y a pas de souci. Mais les autres, on ne va pas dévoiler. Moi, je connais. Mais je ne vais pas dire parce que... Ça n'existe pas. Elles sont mariées déjà, mais je n'ai pas envie. Moi, je mets quiconque au défi. Ça n'existe. Ça n'a jamais existé dans ma vie. Toi, tu n'as jamais bouffé l'an d'une boîte qui tu es sorti. Bonano. Qu'est-ce que vous parlez? J'ai envoyé l'eau des Canaries. Tu as boire des. Non, mais attends, bouffe. On appelle bouffer. Tu es avec ta chérie à la maison, tu as une relation et peut-être que tu as peut-être besoin de mettre du carburant à ta voiture, tu prends au moins 50 000 francs dans le porte-monnaie de ta chérie pour mettre du carburant. Ça, c'est ça qui est entretenu. Mais on t'entretient, c'est pas ton argent. Parce que moi, tu prends ton argent, c'est que tu vis dans les jupons de ta femme. Je suis désolé, c'est elle qui vit chez toi. Et alors? Cet argent, c'est toi qui le lui a donné. Elle peut vivre chez toi et puis c'est pas toi qui gère les dépenses de la maison. Je suis désolé, ça n'a jamais existé, moi. Et c'est pourquoi j'ai aimé quiconque au défi. Moi, ça n'a jamais existé avec moi. Mais pourquoi on n'a jamais dit que Défalé, par exemple,
était gigolo. Mais parce qu'on s'est dit, on s'est dit, la première fois, on dit Bonanno, on voit pas Bonanno chanter. On le voit dans les grosses voitures, dans la ville et tout. On se demande, mais d'où il sort ça. Donc, justement, il faut qu'on trouve quelque chose qu'on va attribuer à la personne. Mais justement, ça sortait. Bon, mais à l'époque, tu sortais d'où les grosses voitures. Parce que Bonanno, c'est vrai qu'à un moment, tu as. C'est pas Django qui te connaît ça. C'est pas Django là qui te connaît ça. Bon. Mais dis-moi, je veux savoir. Donnez-moi un. Vous avez tous les trois cahiers qui sont des voix. Oui. Donnez-moi le nom d'une seule femme. Non, pour qui le avait l'anthologie de l'émission. Oui. Voilà, c'est ce que je te dis. Je dis moi, j'en connais, mais je ne peux pas citer le nom. Quand les personnes sont connues, c'est bien beau d'attribuer des choses à des personnes juste parce qu'on se dit non, que c'est trop facile. Oh, mais non, mais lui, c'est trop facile. Et puis, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont allées à l'extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'attribuer n'importe quoi à n'importe qui juste parce qu'on se dit non, que. Non, mais pas, il ne peut pas avoir ça avec ça. Non. Mais donc, comment tu faisais pour avoir les grosses voitures? Justement. J'étais déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un de. On va dire que les grosses voitures, à l'époque, je vais savoir. Ah oui, à l'époque. Mais c'est moi qui ai acheté mes voitures. Regarde, on te regarde. Je savais que c'est moi qui ai acheté. Les gens avec qui j'ai acheté mes voitures, ils sont vivants. Ils sont vivants. Bon, tu gagnais là, de grosses voitures là où? J'étais un artiste. J'avais des. Voilà, aujourd'hui. Tous ceux qui achètent des voitures aujourd'hui ne c'est pas forcément l'argent des spectacles qu'ils prennent pour acheter des voitures. Ils ont des rapports avec des personnalités, ils ont des gens à qui ils vont faire plaisir chez eux à la maison. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On leur fait des cadeaux. On leur fait des cadeaux et tout. Et moi, j'ai toujours aimé les voitures. D'accord. Moi, je fais partie de cette. Moi, ma première voiture que j'ai fait venir en Côte d'Ivoire, c'était en 2008. En 2008, là, je ne pense pas que dans ma génération, les gens pensaient à payer voiture en Europe pour amener ceci. Voilà, donc déjà, moi, j'étais passionné par la chose. Donc, quand on va en Europe, pendant que les autres ont fait les magasins pour payer habits 5 000 euros ou bien 10 000 euros, moi, je prenais pour moi pour acheter voiture. Tes voitures, okay. Et puis, j'ai ramené, voilà. Et on m'a dit, à ce qui paraît, tu t'es rentré aussi dans la vente de voitures. Voilà. Au moment, voilà. Tu t'es impliqué à fond. Et que même c'est ce qui t'a fait, que tu t'es détaché un peu de la musique. Voilà, donc j'ai pas mal d'artistes à qui j'ai vendu des véhicules ou des grosses voitures. Il y a Mix qui est là, il y a pour l'argent des voitures là. Qui ça? Mix, il ne me doit pas de 5 francs. Mix, c'est quelqu'un qui est très rigolo. Non, je voulais savoir, comme certains dans le milieu là, certains prennent des voitures, ils donnent avance et puis pour donner le reste, ça devient compliqué. Moi, j'ai eu ce problème avec les personnes avec qui les personnes du milieu en tout cas avec qui j'ai donné des voitures. Ok. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe chaud là, il y a des nouvelles tendances. Que penses-tu de cette nouvelle tendance appelée mouvement des enfants où il n'y a que cuit dans les chansons? Mais tous les gens, c'est cuit, sont même. Mais ça dépend. Bon, je sais pas pour défendre. Des enfants, Serge Venot, c'est pas un enfant. Ça mouvement des enfants. Mais Serge Venot, lui, c'est pas un enfant. Il est quand même. C'est un poitrinard. Un poitrinard. Oui, il est vieux. C'est pas un enfant. C'est pas pour défendre qu'on appelle ça. Les trucs. Mais aujourd'hui, tu vois, les Ivoiriens sont en train de pousser les artistes à leur servir de cochonneries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes. Tu écoutes l'album d'un artiste, tu vas trouver. Des morceaux qui sont très bien. Tu dis, mais ça, c'est très bien, machin. Et il sort ça, il clip le truc, il sort. À peine même les gens, ils regardent. À peine même, tu vois, sur Internet, combien de vues ça a eu et tout. Rien. Mais quand tu vois un morceau, comme tu dis tout à l'heure, où on chante cuit dedans et tout, tu vas voir combien de millions ça va faire. Mais l'artiste, c'est un homme d'affaires. Il se dit, non, que si je chante comme ça, comme Céline Dion, ça plaît. Les gens ils vont écouter, mais ça va me permettre de pouvoir m'acheter ça. Si je chante cuit, c'est ce qui me permet de faire ce que. Bah voilà. Donc c'est un peu aussi la faute des consommateurs. Il y a le père d'Aloi qu'on a reçu dernièrement ici qui disait que lui, ça le dérange. Voilà, clairement, ça le dérange d'entendre des chansons comme ça parce que bon, il pense aussi à l'éducation de ses enfants. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est un peu focus parce que il rentre, c'est un reptile, il aime bien ramper devant les gens pour des miettes, mais ça ne le dérange pas d'entendre cuit dans les chansons des gens. À ton avis, il est traître ou hypocrite? Bon, pas hypocrite, mais je pense que c'est au contraire. C'est le comportement que lui a qui est plutôt à blâmer. Quand on parle d'éducation d'enfants, je pense que l'Ivoirien à la base, c'est quelqu'un qui est fier de lui, c'est quelqu'un qui est. Chanter cuit, ça ne diminue pas la personne de l'Ivoirien. Mais se mettre à terre en bas d'une personne, ça diminue la personne. Donc je pense qu'un homme, là, il doit avoir un minimum de dignité dans un premier temps. Donc un artiste que moi je vais voir à la télé en train de chanter cuit, déjà, si.
pendant qu'ils chantent cuit, je vois des hommes qui sont très haut placés, des personnes très conscientes en train de faire des TikTok dessus. Ce n'est pas seulement des petites filles qui traînent sur les réseaux qui font ça. Aujourd'hui, tu vois des pères de famille, des personnes même qui sont à des postes, tout ça, en train de fredonner la musique, en train de danser sur la musique. Ça veut dire que c'est ce qu'ils aiment. Mais quand je vois lui qui est en train de dire non, qu'il doit éduquer ses enfants, en train de ramper là, par terre comme ça, ça c'est un déshonneur au contraire. Donc du coup, tu trouves qu'il se plaint de quelque chose, ouais. Mais en même temps par rapport à ses enfants, et lui-même ne donne pas l'exemple dans son attitude. Il n'a même pas à se plaindre de ça, parce que ça, c'est pas son truc. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est voilà. Ce que lui pratique. Non, même pas d'accord. Bonanno, dans le temps, en tout cas comment je t'ai connu, tu étais très très proche de DJ Lewis. Voilà. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce que vous vous voyez toujours autant ou bien il y a Discord? Non, il n'y a rien en DJ Lewis, c'est moi. Mais pourquoi tu souris en fait, Bonanno? Tu caches tellement la de choses. C'est quand on sort un papo, il est dépassé. Bonanno, la question va te faire rigoler. Comment ils savent en fait. Hein, tu étais comme ça, DJ Lewis. Mm-hmm. La chanson Django, c'est vous deux. Okay. C'est-à-dire que vous deux là, depuis que je vous ai connu. On aurait dit monsieur, madame. Moi, je vous ai connu vous deux. Okay. Je n'ai pas connu l'un sans l'autre. Mm-hmm. Quand vous étiez encore DJ, que vous n'étiez même pas encore des artistes au MG, c'est vous deux que moi j'ai connu. C'est ça. Mais ça fait un bon moment. On ne te voit plus, Lewis. Quand tu demandes à Lewis et Bonanno, il se jette. Il se jette aussi. Tu demandes à Bonanno et Lewis, il va même se jeter aussi. Ah, mon moi, cher. Faut nous expliquer la fin. Il n'y a pas de problème avec Lewis. Mais il y a eu un discours, non? Il n'y a jamais eu de discours entre Lewis et moi. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il ment avec Lewis. Elle sourit. Il n'y a jamais eu de discours entre Lewis et moi. Lewis, on était très proche. On était. Mais oui, ça, voilà. J'ai appris. Ils le sont. Voilà. Mais oui, voilà. Mais je dis les choses comme ça. Il y a des mais moulé. Hein? On était très proches. Et ça, on parle des années 2005, 2004, jusqu'à 2008, 2010. Là, et voilà. Mm-hmm. Mais après, il y a combien d'années qui sont passées? Ok. Chacun de nous est devenu père de famille. On est devenu des personnes qui sont... La première année, moi particulièrement, je suis, on va dire, détaché du milieu. Donc, on n'est pas, on peut pas avoir cette constance-là comme avant. Avant, si j'étais un artiste en plein temps et que je suis en activité, je peux encore avoir cette Lewis tout le temps. Donc, le fait que vous n'êtes pas toujours dans les mêmes activités, ça fait que ça crée un peu... Oui, ça crée un peu un petit fossé. Ça n'a rien à voir avec problème ou pas problème, je vois là. Il n'y a pas de problème. Bon, et ton frère, ou bien ton ex-frère? Julien, ce n'est pas mon ex-frère. C'est un petit frère que j'ai pris sur mon aile. Bien sûr. Devant vous savez. Non, c'est pas. Mais si, sans hypocrisie, vous savez très bien. Et si, moi, je n'étais pas au courant en tout cas. Moi, je suis au courant. Voilà. Ah, d'accord. Et si aujourd'hui, Venom n'est pas... Venom, c'est pas mon ami, c'est mon petit frère. Si aujourd'hui, Venom est à un stade où il est plus mature, c'est normal qu'aujourd'hui, il vient d'avoir un enfant, il est marié, tout ça. Il ne va pas traîner toujours avec moi dans mes... Non, c'est un monsieur. On a appris que vous avez fait des histoires, qu'il y a eu un problème entre toi et lui. Oui, il y a eu foufou. Il y a eu un gros foufou entre toi et lui qui a créé même carrément la division. Et pas qu'avec Venom, hein, avec Lewis aussi. Oui. Visiblement, Bonanno, il est en fight avec tout le monde maintenant. Hein. Ça a bien changé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne sais pas. C'est, voilà. Venom, il n'y a pas eu de problème entre moi. Comment entre moi et Venom? Comme j'ai dit, là, Venom a estimé à un moment donné qu'il veut... Maintenant... Tu ne peux pas bien dire, les affaires là n'est pas... Venant m'a estimé à un moment donné qu'il veut maintenant... Merci. Okay. Voilà, donc du coup, peut-être que c'est la manière qui n'a pas été... voilà. La manière dont il a pris son envol là n'a pas été une bonne manière. Tu n'as pas aimé. Avant de quitter le nid, il a chuté le nid d'abord. Et puis il a chuté. C'est ça. Peut-être, il n'a pas aimé peut-être que c'est la manière la sinon... façon dont son petit s'est envolé. Voilà. Donc lui, le mentor, s'est senti frustré. Donc ça a créé un petit bafouillement. Non, ça n'a pas. Est-ce que vous parlez? On ne sait pas très très bien. On sait pas très... C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de problème entre lui et moi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a eu un petit froid. Mais moi, il y a eu un froid. Oui, il y a eu un petit froid. Lors de la séparation. Il y a un petit froid, mais c'est pas quelque chose que moi je peux dire quelque chose d'alarmant. On n'a pas eu à se. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu des choses profondes en fait. Non. Voilà, c'est des petites choses vite fait. Mais tes explications concernant Lewis ne m'ont pas convaincu. J'ai le numéro de la femme de Lewis. Et Lewis lui-même. Non, mais pour que je puisse avoir le numéro de sa femme, ça veut dire qu'on est. Si tu n'es pas proche de quelqu'un, comment tu vas parler avec sa femme? Mais tu vois le numéro avant? Hey, les gars, ils sont ennuyés.
Non, clairement, tu as le numéro de la femme de Lewis, il n'y a pas de souci. Mais elle, Lewis, lui-même, tu as son numéro. Lewis, j'ai son numéro. C'est le même que j'ai, là, je le sors. Il n'y a pas de souci. Montre ce que toi, tu as, on va voir ta date de temps. Ok, d'accord. Non, mais. Et comment il parle gris face au numéro non, hein. C'est ça, parce ouais, que. Voilà le numéro de Lewis qui est là. C'est pas ça? Attends, je vais comparer à celui que moi j'ai. Mm. Allons doucement. Il ne faut pas essayer de me marmailler parce que bon. Ok. On lance. Moi, je lance pour moi. Hein. Je vais voir mais si. Mais il n'est même pas là. Il n'est pas là. Il est aux États-Unis. Toi qui l'as là. Qui c'est toi qui lui as délivré le visa. Il est aux États-Unis. Effectivement, effectivement, les États-Unis. Non, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il sait qu'il est aux États-Unis. Ah, mais peut-être que tu es. Mais ça sonne. Peut-être que. Ok. Ah, peut-être que tu te caches pour le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Tu les pilles. Ah, chez. Ouais, il y a des gens qui te cachent pour le suivre. C'est en tout cas chez moi, ça sonne. Ah. Moi, je n'ai pas lancé en tout cas. Tu vas lancer tout à l'heure, on va voir si ça va sonner chez toi. Bon, je coupe parce que. Ouais, voilà. Faut pas que. Voilà. Mon âme, il faut lancer pour toi, on va voir non, si ça. Non, mais j'ai le numéro. C'est même j'ai numéro. J'ai pas le problème avec Lewis. Attendez. J'ai pas le problème avec Lewis. Oh, je suis là où tu es. Non, parce que je me souviens. Il dit que. Si tu as vu Lewis, ça, a... si tu n'as pas vu taille ouais, de voilà, mais derrière, sonne, hein. C'est pas la même chose. Voilà, même sonné là, voilà, Lewis est là, c'est pas Lewis qui est là. Mm. Hein? Je montre ça à tout le monde, c'est pas Lewis ouais. qui est là. Ok. Mais voilà, ouais, moi, il a décroché. Allô? Lambert? Mais Lambert, tu es traite? Mais, j'ai... Lambert? Oui, dis-moi, Bernard. Il dit, Bernard, dis-moi, Bernard. Ah, il m'a envoyé un message, il dit, je suis en roaming. Bon, attends, attends, je te rappelle, attends, je te rappelle. Bon, tu as vu? Bon, voilà. Il dit Lambert, l'autre l'appelle Bernard. Lambert voilà. Bernard. Et Bernard. Ça, bon, voilà. Donc, on connaît vos noms de code maintenant. Dans le monsieur, désormais, dis-le, visite Bonanno, c'est Lambert et Bernard. Voilà. Alors, Bonanno, dis-nous aujourd'hui, quel est ton regard aujourd'hui sur le coupé-décalé? Oh, le coupé-décalé a besoin d'avoir une vision à la Mewé. Oui, ça veut dire non de. C'est comme vous avez un téléphone, il faut l'actualiser. Quand il y a des nouvelles données que le téléphone reçoit, on vous demande de faire une actualisation. Ok. Une mise à jour. Voilà. Une mise à jour, en fait. Ouais. Le coupé décalé au jour d'aujourd'hui, pour ma part, a besoin de s'adapter à. Parce que le coupé décalé, c'est une musique même, on va dire, qui a été inspirée d'une autre musique. Qui a été, voilà. C'est un peu une rythmique d'un autre type de musique qui a permis qu'on puisse avoir le coupé décalé. Donc, le coupé décalé peut s'adapter à n'importe quel style de musique au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, les Kiff No Beat, quand ils commençaient, c'était un semblant de coupé décalé qui est devenu le rap. Ils disent que c'est pas ça. Hein. Voilà. On a eu Abomey l'éléphant ici qui dit non, c'est pas ça. Voilà. Donc, qu'on appelle ça les sons amusement qu'il faisait et tout, voilà, c'était aussi des rythmiques coupées décalées. Mm-hmm. Donc on peut pas dire que c'est pas des, ouais, voilà. Non, c'est des rythmiques. Donc ça passait très bien. Donc au jour d'aujourd'hui, si le rap y voit en train de prendre en tout cas vraiment le là et qu'on appelle ça en tout cas du terrain et tout, je pense que il y a lieu de pouvoir revoir. Mais rap ivoire même ici, c'est pas le mouvement des enfants, c'est les étouffés. Mais le mouvement des enfants, c'est combiné dans le rap ivoire. En fait, ce qu'on appelle le mouvement des enfants, parce que là, je comprends rien. Non, en fait, c'est tout le truc qu'ils font en ce moment, tout ce qui est la tendance en ce moment avec les enfants, tu vois. Donc, du coup. Les Didibé et autres. Non, pas les Didibé. Après les Didibé. Oui, c'est eux, on appelle ça. C'est le mouvement des enfants. Je savais pas. Si. Donc, c'est comme ça, eux-mêmes, ils définissent la chose, les gars du rap ivoire, tu vois. Donc, quand je parlais de cette question, pourquoi je pose cette question à Bonanno? Parce qu'on dira, comme il dit, transcendu musicalement, on retrouve beaucoup de sonorités à l'intérieur. Il y a des sonorités de coupé décalé, il y a des rythmes de coupé décalé, des rap et voix, c'est un gros mélange en fait. Et là récemment, je pense même le dernier des titres, c'est Toto Rino qui l'a arrangé. Donc il y a une touche de David Tairo que je salue au passage. Donc mais Bonanno, à travers ça, quand tu vois, est-ce que tu sens pas que c'est en train d'aspirer un peu le mouvement? Mais le mouvement aussi, comme j'ai dit, c'est les acteurs du mouvement qui amènent le mouvement à être aspiré. Parce qu'on ne peut pas servir quelque chose. Moi, je suis conscient de ça. Hein. Quand on sert quelque chose, le coupé décalé est né en 2002. Mm-hmm. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. Mm-hmm. Ça fait combien? 23 ans. Mm-hmm. En 23 ans, on n'a pas servi la même sauce à une personne à la maison. Mm-hmm. Même une femme qui est mariée avec son mari, à un moment donné, le pasteur va lui dire il faut essayer de revoir ta garde-robe un peu parce que ton mari, on met un peu le jupe mini et tout. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour dire que quand on sert quelque chose comme ça, à un moment donné, il faut qu'on puisse actualiser la chose, voir un peu si on peut rajouter des petites sonorités qui peuvent permettre que la chose reste toujours dans mais le temps. Voilà, dans le temps. Merci. Okay, mais tu ne trouves pas que Arafat, paix à son âme, quand il est décédé, il est parti complètement avec le coupé décalé parce que depuis que Arafat est parti ce 12 août 2019, force est de reconnaître qu'il n'y a plus personne qui tient la route. Quoi. Je ne veux pas citer de nom, mais on se rend compte que c'est le calme plat.
Mais Arafat, c'était un talent hors norme. Mm-hmm. Tu comprends un peu? Donc, du coup, un Arafat, s'il y avait aujourd'hui cette situation-là, je pense qu'il allait être à même de trouver la solution à la ça. La bonne formule. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui passe tout son temps à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce niveau-là, quelqu'un... pendant qu'Arafat était là, les années où le Azonto faisait mal et tout, ben, le coupé décalé a gravement dérangé la musique nigériane. Pourtant, on n'avait même pas... c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes productions qu'on avait, tout ça et tout. Donc, quelqu'un qui a pu réfléchir à trouver ce qu'il fallait, tout, à chaque fois qu'il y avait des embûches en face de lui, je pense que s'il était là aujourd'hui, il allait encore trouver quelque chose qui allait permettre à ce coupé décalé là encore de... Voilà. Mais s'il y a encore des personnes qui sont là, je pense que c'est à ceux qui sont là de trouver la formule et puis rentrer encore en studio, trouver les sonorités qu'il faut et tout pour pouvoir donner un sens nouveau au coupé décalé, au fait. Et quels étaient tes rapports avec Fedi Arafat de son vivant? On avait des bons rapports, hein, Arafat. Mm-hmm. On avait des bons rapports. Il n'y a pas un moment où tu voulais le goûter? Bonanno, vous avez des bons rapports. Mais il se trouve qu'à un moment donné, Arafat se plaignait beaucoup des DJ de Makori. Il se plaignait beaucoup des DJ du MG. Il trouvait même que vous ne jouez pas sa musique et que vous avez organisé même une mafia. Mm-hmm. Bonanno, vous avez même le côté. Exactement, oui, je à Abidjan Sud. Non, mais attends. Mm-hmm. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Qu'on appelle ça? Les DJ de Makori n'ont jamais eu ce problème avec aucune personne. Ça, c'est, il parlait des DJ de Yopougon. Hein. Ça, c'est des DJ de Yopougon. Quand quel Arafat, DJ? Mais il parlait de... Arafat a fait... Dis le nom, non, mais c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il y a des interviews d'Arafat ici où il parlait de Franky DiCaprio, n'a pas joué mon son, il en voulait à Franky parce que Franky n'a pas joué Ramzy et Franky, un truc comme ça. Je me souviens, mais Ramzy et Franky, un truc comme ça. Sinon, le DJ de Makori, on n'a jamais eu de problème vraiment avec Arafat ou je sais pas. Dis-le, lui-même avait parlé ça aussi un jour. Il dit non que, bon, qu'Arafat se sentait boycotté au niveau d'Abidjan. C'est là qu'il avait sorti son morceau. Voilà, son morceau Jesse Midika. C'est pas voilà. Il n'a cité aucun nom. Les gens, il a insulté ta mère et tout ça, machin, c'est pas les gens. Mais c'était les DJ de Duc de votre cabine, tu peux pas non, me dire le contraire. C'est le DJ Pougon. Non. Arafat, il a chanté pas ses mots. Si Arafat avait des problèmes avec des DJ de Makori. Monano, le DJ qu'il a cité là, hein, c'est truc, c'est DJ non, DJ l'autre 5 étoiles n'était pas un DJ, il n'avait pas son mot à dire, c'était un autre petit mais il était dans votre il était non dans non non, non et puis c'était même pas un DJ 5 étoiles, était un DJ plus à Talakou. 5 étoiles peut pas boycotter Arafat qui joue, c'est pas lui qui joue la musique. Ok, donc ça c'est un rapport de personne à personne. Bonanno, moi je me souviens que dans le temps tu voulais botter Arafat parce que tu estimais que tu avais manqué de respect, je ne sais plus trop pourquoi. Donc, quand tu dis que Arafat et toi, vous aviez de bons rapports, trouve que tu es un peu hypocrite. Mais non, mais ça, les mots sont forts. Arafat, tout le monde voulait le goûter. C'est qui voulait pas goûter Arafat? Moi, il est. Est-ce que tu voulais goûter Arafat? Ah non, mais non. Moi, Arafat, là, si c'est qu'on appelle est-ce ça. Est-ce que vous n'étiez pas un peu jaloux de son succès? Non, Arafat est venu nous trouver avec le succès. Mais vous a tous surpassé? Mais je suis d'accord avec ça. Mais nous, au contraire, ça ne nous a pas empêchés. Tu sais, Arafat, chacun a sa petite histoire, son petit discours à Arafat. Bon, explique ton discours à Arafat. Moi, un jour, je suis assis au mix. Arafat vient. J'avais une BM M3 en ce temps. Je venais d'acheter la voiture. Je suis assis au mix. Pendant longtemps, c'est pas vu. Hein. Il vient, il parle dans mon dos. Toi, là, matin, tu vas voir. On dit que c'est toi qui as venu avec M3. Là. Tu vas comprendre matin. Et puis le jour là, il y avait un petit de mix qui s'appelait Ambroise Bigot. Ouais, Ambroise. Donc on a su au mix. Matin, moi je dois déposer Ambroise. Ah, il était avec un de ses gars. Je dois le déposer. Et puis après, moi je rentre chez moi. Arafat, je suis en train de sortir du mix. J'entends un gros moteur dehors. Je me pousse à rompre. Parce qu'il m'a vu sortir. Tellement c'est levé net. Pas lui, il est déjà dehors. Donc nous, dans la causerie là, en train de sortir, j'entends un gros moteur dehors. J'entends un gros moteur dehors. Il sort, je vois le gars en train de faire les trucs, il va, il revient, il va, il va. C'est moi, il attend, hein. Ouais. Donc il prend ma voiture, je sors. Concurrence de voiture. Il fait ma manœuvre. Les petits la sortent derrière nous, tout ça. Ah mon vieux, comme ça et tout. Ok. Je vois le gars, il est là-bas, il m'attend. Ça dit qu'il n'est même pas. Il a dépassé le parking là. Il est allé se mettre sur la route là-bas là. Il attend que nous on décolle seulement. Et puis okay, vous dépasser. Il va te montrer. Donc, dès qu'il a démarré le pédale, qu'on appelle ça, Ambroise m'a dit. Mon vieux, il ne faut même pas regarder lui là. Il faut rouler ta voiture doucement, partir. C'est matin, il ne faut pas calculer. Il a dit non, t'inquiète même pas. Donc, du coup, je suis là. Mais le jour-là, moi, j'ai eu ma peur de ma vie. Pour te dire que c'est une personne vraiment.
Tu vois, quand on quitte le mix là, quand tu prends, tu sors du mix comme ça, tu prends à ta droite, tu vas vers, comme si tu vas aller vers les, où il y a les Libanais, beaucoup, beaucoup de... Ouais, le café, le café des parles, le petit café, tout là, c'est la voie là. C'est cette voie là qui va là, là. Arrivé au niveau du carrefour du petit café là, il y a la voie qui passe comme ça. Passe, oui. Nous, on est dans la voiture, on entend les parties Arafat qui vient nous dépasse, boum. Et puis il nous dépasse, il ne s'arrête pas, hein. Il traverse la voie. On a crié dans la voiture, waouh, tout le monde. Et puis, il dit ses soucis, même pas de monde qui a passé à gauche. C'est vrai que moi-même là. Il a traversé le carrefour. Va, 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 va. Et puis après, on est rentré et tout. Donc c'était un peu comme ça, au fait. Donc l'histoire de on voulait tout, c'est ça, c'est quelqu'un qui aime chambrer. Donc c'est pas de, vraiment quelque chose que qui te tient à cœur. C'est peut-être vous êtes un peu énervé par rapport à un petit truc. C'est vite une attitude et tout voilà, ça. C'est pas... Expliquer c'était quoi. Oui, mais c'est ce qu'il dit, là, il dit après. Ça a fait de où il a traversé la route, vous avez crié, c'est ça qui t'a fait mal, tu voulais le frapper là. Non, pour te dire, non, qu'à chaque fois, il y avait des petits trucs comme ça. Parce que moi, il y avait sorti un son Valatam qui marchait très bien. Et en ce moment, il y avait des très bons danseurs. Et ces danseurs commençaient à faire copain-copain un peu avec mes danseurs parce qu'ils venaient à Makori. Et puis ils ont plappé les danseurs de Bouddha. Ils venaient à Makori. Arafat, t'as volé tous les danseurs de Bouddha. S'il n'avait pas parlé là, il aurait dû parler. Ils venaient à Makori. Et puis. On tournait, donc il m'appelle, ah c'est comment, puis ouais, je me prépare, il vient à ma cour, et puis on se suivait, et tout, et voilà, voilà. Donc c'est ça, quand on va en prestation, mais dans cette tuée en tout cas. Ça, ouais, je me rappelle du marathon, là, voilà, dans mais dans cette tuée. Donc dans ça, comme tu as dit là, il a pris un danseur. La fille, le danseur. Donc, et ça, c'est du DJ, la fête, tout voilà. Craché. Donc il y avait toujours les petits trucs comme ça, voilà, voilà, et tout. Bah, quand tu dis à vous là, quand il voit ta chanson, il faut ton danseur qui dit vous là. Il la lève. Et c'était le danseur en question. Non, il s'appelait Carton Rouge. Carton Rouge, je me rappelle du petit. Ah, et il devient quoi, Carton Rouge? Franchement, je sais pas. Non, il se dit danser super bien. Il dansait bien, il dansait très bien. Alors, Bonado, c'est vraiment un tour des questions très intéressantes avec toi. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis un bon moment, on ne te voyait plus. Mais bon, je sais que tu prépares encore une nouvelle galette. Oui, je suis en train de faire un truc, à mon sens, qui n'est pas mal. Ok. Vous savez, maintenant, là, on ne peut pas trop transpirer. Donc, je m'apprêtais à lui demander, mais est-ce qu'un jour, Bonano va revenir dans la musique? Parce que bon, Bonano, les cheveux commencent à blanchir. Allez, hein, oui, parce que bon, décaler lui, je pense que le coupé décaler lui, c'est mort. Il est bien. On va, ouais, on a toujours. Tu as venu lutter les enfants là? Non, mais c'est ça le problème au fait. Ah, pas ils sont là. Les enfants là sont impétueux. Dans toute chose, est-ce que Mewé ne fait pas de la musique aujourd'hui? Le vieux Mewé fait là sa musique. Notre papa Alpha Blondie fait sa musique aujourd'hui. L'autre n'est pas Salfo fait sa musique. Mais néanmoins, il faut trouver. Oh, c'est des vrais chanteurs, c'est des chanteurs à voix. Qui te dit que je suis pas un vrai chanteur? Ah, bon, Bonano, il faut fredonner non, quelque chose. Non, ça n'a rien à voir fredonner. Si. Non, il ne faut pas te référer à Django pour pouvoir. Et puis Valatam. Et puis à Django et Valatam pour pouvoir. Il y a aussi Makuga Siri qui était. Il y a Vive les Mariés qui est là sur mon. Non, ça n'a pas marché. C'est qu'on appelle ça le thème vocal de l'artiste, tu veux ou bien c'est marché là, tu veux. Bon, alors, mais Bonano, dis-nous aujourd'hui, hein, bon, là, à ce qui paraît aussi, j'ai appris une nouvelle depuis un bon moment, tu es devenu très, très, très chrétien et que tu aurais même donné ta vie au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à aller vers le Seigneur Jésus-Christ? C'est quand Maraboutage ne marche plus là, c'est ça, ils vont vers le Seigneur. Là vraiment faut que tu arrêtes. C'est ce que j'ai entendu, j'ai répété. Non mais aujourd'hui je pense que comme je dis là, dans toute chose on gagne en maturité. Aller vers le Seigneur c'est quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir, qui m'a permis personnellement d'avoir une grande, encore plus large ouverture d'esprit par rapport à tout ce que je faisais. Souvent on fait des choses, on a l'impression qu'on tout ce qu'on fait, on veut faire tout faire à la fois. Mais avec quand tu as le Seigneur avec toi, ça te permet de pouvoir dissocier les choses, de savoir à quel moment il faut faire ça. Il n'est pas encore le temps de faire ça. Attends un peu, tu vas faire ça. Le discernement. Voilà. Et ça, c'est des choses qui m'ont permis au jour d'aujourd'hui de pouvoir orienter ma vie et puis la vivre tranquillement sans avoir à venir. Sinon, il y allait être en train d'insulter les gens ici ou bien lutter avec des clashs. Voilà, oui, juste pourquoi, pour pouvoir avoir de la visibilité. De la place, voilà. Je dis pas de buzz. Voilà, je dis pas que ceux qui le font ne sont pas bien. Hein. Moi, je juge pas les gens, mais simplement, pour moi, je pense que ma vie chrétienne aujourd'hui m'a permis de pouvoir mettre encore beaucoup de rangements dans ma vie et puis bon, voilà quoi. Comme venant ou quoi en fait, finalement.
le maître en train de copier l'élève. Enfin, tu as marié des enfants? Oui. Combien d'enfants? Un enfant comme Venom, finalement. Ouais. Tu es marié aussi, hein? Mais pourquoi comme Venom à chaque fois? C'est une question que je pose, hein? Pourquoi tu es marié? Peut-être c'est Venom qui fait comme non, comme son je maître. Pense pas. Son maître, hein? Ah, mais c'est toi qui as dit le maître. En train de copier l'élève. Non, tu réitères, quoi. Je réitère tes propos. Donc, tu es marié? Oui. Okay. Décidément, c'est comme Venom. Tout est comme Venom. Bon, Venom a donné sa vie à Dieu avant Bonanno, on est d'accord. Donc, je me réfère à ça pour dire que finalement... Bonanno n'est jamais venu sur les réseaux sociaux pour en parler. Pour non, en parler. Non, il a fait ça avant. Ça voici... fait combien d'années que tu es en Christ? Ah, bon, c'est ça. Maintenant, il faut me répondre. Voilà. Il y a très longtemps. C'est quoi, ça... combien d'années exactement? Demande-moi, ça fait combien d'années même tu n'es pas revenu sur scène? Ça fait près de, de 10 ans que moi, je n'ai pas fait une prestation. Mais Bonanno... Et ça, c'était bien avant ça. Bonanno, ouais. on va pas tourner autour du pot. Tu sais, j'ai été une actrice du coupé décalé pendant une période de ma vie quand j'étais possédée par le Cheikh. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Mais t'as rien fait. Toi-même, tu es content. T'as vu que ça va, tu vas vous moquer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Mm-hmm. Mais je sais que dans le coupé décalé, pas mal d'artistes allaient chercher le succès chez les marabouts et tout ça. Est-ce que tu as déjà été un jour chez un marabout, un féticheur, pour avoir un peu de succès? Parce que quand tu as sorti Django, tout de suite, ça fait bim. Et tu partais souvent au Bénin, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as jamais été invité dans le village de Parakou pour aller prendre la puissance pour venir? Mais vers lui, là-bas. Si, j'ai déjà été à Parakou. C'est bien ce que je disais. J'ai déjà été à Parakou, mais pas pour aller chercher fétiche des Bénins, je ne sais pas quoi. Sinon, je dois aller faire quoi? Tu sais, ça, c'est les choses qui viennent après. Quand on est dans... Il y a ce qu'on appelle, en français, terre à terre, Dieu donné. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu entends dans tes cherchements, et puis, il y a quelque chose qui explose. Ça te dépasse toi-même. Mm-hmm. Il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit pour devenir... Bon, non, il y avait... Avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Être... Un DJ dans une grande cabine d'un endroit réputé te donnait déjà une certaine notoriété. L'autorité, ouais, ça va. Et moi, ma notoriété, je l'avais avant de devenir artiste chanteur. C'est dans mon élan de disc jockey là que Dieu a permis que je puisse sortir. Django n'est pas le premier titre que j'ai sorti. Les autres n'ont pas pu atteindre, on va dire, le niveau que ça devait atteindre. Parce que tu n'étais pas encore là par un coup. Oh, mais mon premier voyage déjà, c'est au Mali. Et c'est Django qui a. Mon premier voyage en avion, j'ai jamais pris car pour aller dans un autre pays. Bon, mon premier voyage en avion, c'était à Bamako. Et c'est Django qui a permis que je puisse aller à Bamako. Donc, Parakou, tu es allé faire quoi? Festival de Kara. Charles Toko. Oui, Charles Toko à l'époque. Oui. Était quelqu'un qui. Voilà. Donc, mais quand tu es arrivé à Parakou, il n'y a pas des gens qui t'ont approché pour te dire bon, Bonanno, bonne arrivée. Comme tu es chez nous, maintenant que c'est le village où nous, ici, on peut donner le pouvoir. Est-ce que tu veux pas un peu de succès en rentrant à Abidjan et puis. Mais tu mousses sauvagement déjà. Est-ce que tu as besoin combien de. C'est quel pouvoir? Tu n'as pas comprendre. Au fait, l'homme est un éternel insatisfait. Non. Pour que tu puisses comprendre ce qu'on te dit là, il faut que ta cote baisse. C'est en ce moment-là, peut-être que tu peux te dire non, que je vais écouter ce que le monsieur. Mais tu viens et puis tu es transporté comme un président dans des endroits où tu n'imaginais même pas arriver. Donc, mais tu connais combien de personnes dans le milieu qui sont les plans du jour à Parakou? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Voilà, il faut répondre. Mais je ne sais pas. Donc, dans ton entourage là, tu vas vous le dire, j'ai des maquons. Et Lewis, c'est qui fait tout ça? Il n'y a pas un qui est parti un peu là-bas? Bon, déjà même, le Bénin, c'est pas déjà un pays qu'on a. Les pays qu'on fréquentait, si tu me dis peut-être Mali, Burkina, ouais, les pays qu'on fréquentait beaucoup, c'était plus le Mali, le Burkina, le Bénin, c'est pas un pays où on partait beaucoup vraiment. On partait au Bénin, mais pas. Bon, toi qui étais super proche de DJ Lewis, il a d'abord fait Zamou ou pas? Parce que lui aussi, qu'il a sorti sur sa chanson où il grippait sur les cocotiers, comment ça s'appelle déjà? Ça s'intitulait comment déjà? Grippe aviaire, ça fait bim aussi. Tu es sûr que. Parce que vous deux là, vous étiez comme ça, donc tu connais les secrets de Lewis. Lewis connaît les secrets. En plus, s'appelle Bénin et l'autre, Lambert et Est-ce qu'on avait besoin de partir faire fétiche? Mais ceux qui partaient faire. Est-ce que tu as connu. Attends, tu dis que tu étais dans. Pendant que tu avais ta carrière en découpé décalé là, tu as connu. J'étais possédé, oui. Non, tu as connu le MG. Tu as connu le MG? Absolument. Aïe. Si tu as connu le MG, tu peux savoir que l'école du MG là, on n'en sort pas de l'école. Tous ceux qui sont sortis de l'école du MG ont fait carton. Donc, c'est que le Zamou se trouvait au MG. Parce que. Certainement, c'est possible. Sans doute.
Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à Parakou. Peut-être que le fétiche la mettait déjà. Donc vous êtes assis dessus sans savoir. Sans savoir. Il y a ça aussi. Sinon. Ça, c'est pas moi qui le dis. Non, mais si, pour te dire non, que c'est que ce qu'on faisait au MJ en tant que DJ était déjà drainé du monde. Donc, on peut pas, on peut pas sortir non, de clair, là. C'est clair, ça, je sais. Ouais, voilà, on peut pas sortir de là, là, comme ça, et puis ne pas. C'était comme non, si. C'est voilà. Vrai que Bonanno, je t'arrache les mots, et sérieusement, en tant que DJ déjà, vous drainez du monde déjà au MJ. Ouais. Beaucoup de gens venaient là-bas pour regarder, faire les atalakous. Où Lewis pétait les baffes. On avait des délires, tu vois. C'était des. On, par exemple, comme ça, on doit partir au maquis le soir, on s'appelle, on crée un petit scénario là pour ce soir. Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et c'était toujours comme ça. C'était pas comme le DJ lambda qui quitte à la maison, qui vient, qui dépose ses CD, qui doit jouer. Non, c'est vrai, on avait notre originalité. Bonanno, sérieusement, moi, je vous tire le chapeau parce que vous aviez effectivement une certaine originalité. Avec Lewis qui crie, et Lewis qui crie dans baf là. Il a pété plein de baffes là-bas. Celle-ci, si, je ne connaissais pas. Il a dit que tu. Je sais très bien. Elle dit, mais là, on a besoin de à Parakou. Bon, peut-être pas à Parakou, mais peut-être à Bamako, je ne sais pas moi, ou à Gal. Il y avait beaucoup d'endroits aussi. En tout cas. Voilà. Alors, mais en fait, ma question là, en clair, c'était est-ce que tu n'as jamais eu recours au fétichisme pour avoir du succès? Jamais. Jamais. Ah, ok. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur et on ne ment plus. Hein? Je n'ai jamais eu recours à cet homme du tout. Bon, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Pancho le Gâté? C'est quelqu'un que tu connais bien? Très, très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il est devenu un mendiant professionnel? Et qu'il dort même, lui ne rappe plus, maintenant il est devenu comme nouveau-né du roi 10. Non, mais moi, du roi 12-12, il est même entre ses jambes comme un enfant qu'on doit allaiter. Est-ce que tu n'as pas honte de cette attitude? Non, moi. Que tu connais bien. Moi, personnellement, l'attitude de Pancho ne me choque pas vraiment. Pourquoi? Parce, non, mais. Ben voilà. Non. Ce, par exemple, avoir une personne pour qui tu as d'estime, que voilà, se mettre sur son genou et tout, on peut en dire encore que ça c'est signe de respect ou bien d'affection et tout. Il y a les gars bizarres pour passer les genoux. Non. Il n'a pas laissé mettre sur les genoux du père d'Aloua. On a tous. Pourquoi il va passer sur le père d'Aloua? Non, on a tous nos bons vieux pères, voilà et tout. Si pour lui c'est sa manière à lui de pouvoir. Voilà. Moi j'ai donné mon avis sur le père d'Aloua, hein, ça j'ai dit non. Si le jour que Pancho fait la même chose, je lui ai dit non. Mais Pancho aussi. Qu'on appelle ça, il y a une affinité entre lui et son roi 12-12 et que son roi 12-12 et son roi 12-12 et que il peut se mettre sur ses genoux, tout ça et tout. Bon, moi ça me comme un nouveau-né qu'on va allaiter. Voilà. Maintenant toi-même Bonanno, tu as dit tout à l'heure que tu payais des voitures dans le temps parce que bon, je paye toujours des voitures. D'accord, ok. Bon, moi je parle de avant, hein. Non, maintenant je paye toujours. Attends, bon, donc tu payes des voitures. On s'est vu la dernière fois toi et moi, non? Où ça? On ne s'est pas vu. Il a oublié. Ah, donc vous voyez dans les coins. Moi, je ne sais pas. Hein? Quand on s'est vu, tu as crié Bonanno là. C'était moi. Tu m'as vu comment? Ah, ok. C'est ces gens de voiture là, ils payent. Donc vous voyez encore. Tu vois là. Apparemment, il y a des choses. Moi, je l'ai vu dans la circulation. Voilà. Donc, et comme c'est mon grand frère, voilà. Je l'ai interpellé pour le saluer. C'est pour ça que vous dites que c'est ces gens de voiture là. D'accord. Donc, tu achètes de grosses voitures, de grosses cylindrées. Oui. Ça, je suis d'accord avec ça. Okay. Mais est-ce que tu n'as jamais eu aussi à ramper ou à te blottir contre un bienfaiteur pour avoir un peu d'argent? Voilà, il y en a qui font ça dans le silence. Eux, ils sont déclarés. Mais est-ce que toi-même, tu n'as jamais eu à têter même? T'étais même pour un bienfaiteur. On lui a donné un nouveau-né. Au fait, vous le mettre en parlant avec Pancho. Il est quitté ici. Pancho m'a appelé, vous dit, Bonanno, t'as vu comment tu m'as dit? Hein? Nous-mêmes, on l'attend dans ce fauteuil. On peut têter les seuls bienfaiteurs comme ça. Non. Puis le bienfaiteur aussi. Mais c'est toi-même qui as fait ça. Mais le bienfaiteur lui-même n'a qu'à dire à ses têteurs de seins que. À un moment donné. Il a quand même dit quoi? C'était un dessin. Que c'est pas une posture. C'est pas une posture digne. Hein? Des personnes. C'est la panique. Mais bon, alors, toi, ça t'est jamais arrivé de te coller comme ça à une personnalité parce qu'elle a soit 10 ans hein, de l'argent. Moi, j'ai fait des affaires avec des gens au Mali où j'ai eu beaucoup d'argent. On n'a pas eu besoin même de venir, non. C'est pourquoi il te dit non, que dans toute chose, si ça, c'est amusant, que ça permet de faire du buzz, que ça, il n'y a pas de souci. Mais après aussi, c'est la personnalité que tu veux incarner en face des gens, moi, c'est ça, quoi. Moi, j'ai des choses, je me dis que pour moi, j'ai des choses dans lesquelles je ne rentre pas.
Je suis en face. Question de dignité aussi, voilà, et d'éducation. Voilà, je me dis non que je suis en deal avec quelqu'un ou bien quelqu'un mon pote, mais quelqu'un qui est mon vieux père, je dois venir demander de l'argent. Mm-hmm. Il doit me donner ça par rapport au respect qu'il a pour moi. Mm-hmm. Pas parce que je dois venir me diminuer ou bien me rabaisser. Maintenant, ouais. En même temps aussi, comme c'est des personnes qui sont dans un game, ça peut être par rapport à leur game. Voilà, quoi. Bon, voilà. Alors, Bonando, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Est-ce que, quel est le titre de ta nouvelle chanson que tu prépares à la sortie, le titre? C'est un maxi single, ça s'appelle Maturité. Maturité. Mm-hmm. Et puis quand ils donnent leur vie au Seigneur, net, c'est la maturité. C'est comme ça, ils sont, hein. Parce qu'avant, tu étais immature, quoi. Mais donc, je n'ai pas la posture d'une personne mature. Non, mais bon, comme déjà maturité, un coup comme ça, donc ça signifie qu'avant, tu étais immature. Ben, je peux dire ça comme ça? Tu as vu, Django t'a fait main là, là. C'est juste que tu étais immature à cette époque. Je pense que si autant de, voir, si autant de Django, j'avais cette maturité que j'ai aujourd'hui, il allait faire des choses, mais encore. Merveilleuse, en voilà. Fait. Tu allais mieux gérer ton argent. Bien surtout ça. Surtout ça. Mais tu as gaspillé ton argent dans quoi, dans les femmes? Mais tu dis que les femmes m'entretenaient. Comment il allait donner l'argent? Mais c'est pas parce qu'on t'entretient que ça veut dire que tu donnes pas l'argent à ta petite gopée. En général, les gigolos comme vous, c'est-à-dire que vous avez toujours des meufs qui vous donnent de l'argent que vous n'aimez pas. Vous avez toujours une petite que vous aimez, c'est là-bas. Vous prenez là, vous donnez l'argent des femmes là, à la petite. Au petit. Vous connaissez. Mais ce que tu dois retenir de ma personnalité, d'ailleurs, je refuse le thème gigolo là sur moi, ma personne. Ça te fait mal? Non, ça me fait pas mal parce que mon image, je la soigne. Je suis quelqu'un qui en tout cas qui se donne une image. Mmh. Peu importe ce que je fais, peu importe là où je me trouve, j'arrive à me donner une certaine image vis-à-vis des personnes qui sont en face de moi. Et comme j'ai dit là, je mets quiconque à défi. Je n'ai jamais sorti avec une femme très aisée qui avait ceci, qui avait ce en griffe. C'est toujours les petites go qu'on a et tout. Mmh. Voilà. Mais on dit même les petites go si tu les ratais pas, hein, Bonanou. On fait parler ici, les go la faisaient parler avec Bonanou. Tu prenais le jet. Ah, non, ton nom a régné même pendant un moment, c'est pas bon. Si aujourd'hui tu as vieilli, même ça me fait mal. Je devrais rester éternellement jeune. Hein. Mais je fatigue. Mais le plus jeune aide aussi. Non, quand tu es en train de blanc. Quand tu fatigues là, c'est comme ça. Tu vois, il faut qu'on trouve, comme il te dit là, il faut qu'on trouve forcément quelque chose pour pouvoir. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau, on parle de certaines choses que je fais. Je n'ai pas étalé ma vie pour dire que voici ce que je fais, voici. Ça allait mettre un frein à tout ce qui séduit là. Mm-hmm. Mais c'est des choses auxquelles je ne suis pas encore prêt. Mm-hmm. Voilà. Alors, Bonanou, et ton festival? C'est pour quand? Mon festival se porte très très bien. À laquelle édition? Et je suis à la cinquième édition. Cinquième édition. Ouais. C'est quoi le nom du festival? Le nom du festival, c'est le FAMUC. Le FAMUC, voilà. Festival des arts et de musique de Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ouais. Voici par exemple quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Alors, Bonanou, quel est ton mot de fin pour tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui depuis longtemps t'ont pas vu, depuis l'époque de Django Valentine, Makuka Seré, tout ça, ils se posent des questions, Bonanno est où? Là, c'est le back, tu back again. Alors, quel est le message que tu lances? Déjà, je dis merci à ces personnes-là parce que c'est grâce à ces personnes-là aujourd'hui on a pu se construire. Et en second plan, il y a le maxi single qui arrive très bientôt. D'accord. Donc, on va dire, je ne vais pas trop faire de discours là-dessus. Je laisse déguster au moment opportun. Je pense que tout le monde, toutes ces anciennes personnes-là, toutes ces personnes-là, je ne dirais pas anciennes personnes, mais toutes ces personnes-là qui nous ont fait confiance dans le temps, et ces personnes-là qui parfois aujourd'hui se remémorent encore le bon vieux temps avec les sonorités qu'on avait et tout, ne seront pas dessus de ce qu'on va leur proposer, de ce que je vais leur proposer, parce que c'est avec un peu plus de maturité. C'est pourquoi le single s'appelle, le maxi single s'appelle Maturité. Toujours dans le coupé décalé ou nouvelle sonorité? Non, pas dans le coupé décalé. Ah, tu vois quand on parle de couper décalé, mais non, pourtant ça vous a fait manger, vous avez grossi ici sur le couper décalé. Je renie pas. Aujourd'hui, vous reniez vos origines. Non, je ne renie pas. C'est un qu'on appelle ça. Comment il t'a connu là? Tu étais sec des. Mais la grâce au couper décalé, tu as eu un peu de ventre, tu as eu un peu de muscle. Il n'y a pas de ventre, ça, j'ai pas de ventre. Tu m'attribues des choses qui. Voilà, tu m'as. Il n'y a pas de ventre. Bonanou, moi, quand tu vois au MJ là, tu as même porté un habit blanc, je me rappelle très bien. Oui. Léo, c'est un petit cheveu long comme ça sur sa tête. Je me souviens très bien, je ne vais jamais oublier. Toi, tu étais toujours en blanc, non. Mais Bonanou, tu as pris quand même un peu ça, de chair. Ça, c'est la vieillesse. La vieillesse, la maturité. Voilà. Il ne faut pas aller devant toi, même dévaler. Si on veut parler de pour toi, on passe en sortie. Non, moi, pour toi, j'ai prévu de parler à Arvin. On a tes anciennes vidéos aussi. Ah, qui ça, moi? Oui. Non. En plus, il y a des photos ici. Je t'ai possédé. Ah, ok. Chola Shaina. Alors, merci. Donc, je suis là pour Baraba. Il était couché. Il était couché un jour dans ma chambre comme ça. Il y a un clip qui passe. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? On peut remuer ça comme ça.
Il faut dire qu'en ce moment-là, elle était là aussi, elle déhanchait. Alors, merci, dames et messieurs, à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. On continue encore de partager les vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Facebook et partout. Alors, big up à Beaufils de Paris, big up à Yayus, big up à Joël Zuzuko, big up à Ange Bleu, le cultivateur, le PDG Pierrot, Kangala, le berger, big up aussi à la boutique de luxe originale certifiée chez Kra du côté de la 7e tranche, big up à Feco, big up à Franck Mion, le jeune industriel, big up à Ibou Rougeau. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. C'était le Fafa. Alors, Chola, tu as un big up à donner par rapport à la boutique qui t'habille. Voilà, superbement habillé, Chola. C'est pas la boutique qui m'habille, c'est mon âme qui paye. Ah bon? Oui. Chola, c'est pas ce que tu as dit ici. Non, c'est juste un coucou. Je voulais saluer ma belle et grande commune de Diabo. Okay. Je suis originaire de Diabo. Donc je voulais faire un coucou. Tu salues tous les habitants de Diabo. Tous les habitants de Diabo. Il n'y a pas un vieux que tu as dit son nom là-bas. Il va venir te voir en rêve. Hein. Non, c'est mes papas, donc je leur fais un coucou, pardon. Ok, ils vont te biper là-bas, je leur renomme. Bruno, vous veut saluer aussi son village, hein? Oui, bon, ouais, on va dire comme ça. Bah, merci à toute, big up, à toute la chaleureuse population de Grand Lao qui répond toujours chaleureusement à mon événement, le FAMUC. Merci. Ouais, c'est pour ça qu'il a sorti ce macro quand tu rappelles sa sortie. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est maintenant que je... Voilà. Ok, allez, merci et je vous dis... Toujours à très bientôt, sortez couverts. Merci.